Aurélie, bonjour. Desmond, bonjour. Stamé sans rose, bonjour. Comment vous allez? Thank you, le maréchal compresseur. Comment tu vas? Bonsoir, la PM. Bonsoir, Lydia. Comment tu vas? Ngo, bonjour. Jamal, salut ma soeur, salut à toi. Aurélie, bonjour la PEM, tu es très belle en hein? Blonde. Ah bon, hein? Merci. Merci beaucoup. Na 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 na. Mime, la PM internationale toujours belle. Merci beaucoup, Shanti. Shanti, Zouzi, chérie. Desme, que. Ngo, je t'aime bien, super, fier, là, attends. Je t'aime bien, tu sais, fais la part des choses, tu es une grande dame. Bah, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, mes deux personnes qui me suivent, je vous salue et j'ai beaucoup de respect pour vous. Il y a quelque chose qui me tient à cœur. D'abord, avant de parler, je confirme, reconfirme, réaffirme ma présence à Louisville for the Fashion Night. Voilà. La nuit de Papara, c'est une marque d'un frère africain sur laquelle je ne cesserai jamais de faire la promo. Parce que si quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut l'apprécier, il faut l'encourager. Et moi, j'encourage vraiment, vraiment ce jeune homme, ce battant, ce brave Africain qui a fait sortir sa marque. C'est pas n'importe quelle marque, hein. C'est pas les marques vrai. Ça là même, ça a plus puissant que même les Gucci et Prada et tout ça. Parce que ça, ça vient de chez nous. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, Papara, c'est pour les battants. C'est pour ceux qui peuvent, pas ceux qui veulent. Tu peux vouloir, mais tu ne pourras pas. Donc, la soirée de 24,
pardon, 25 de ce mois. Ça sera ce samedi, côté Louisville, à côté de New York, non, Kentucky. Ça serait vraiment du jamais vu. Oui, sortez massivement et valorisons-nous l'Afrique. Donc voilà, c'est pour papa, vous voyez. Derrière la vie même, ça dose, maman, le goût de ça. Donc voilà, salut encore, bonjour tout le monde. Ce direct, c'est pour les puissants. Les puissants, les gens disent souvent que les puissants, c'est deux personnes, c'est trois personnes. Mais moi, je tiens ce matin à vous dire que les puissants, c'est le monde entier. C'est la Chine, comme dit Arafat. Les puissants, c'est la Chine. Les puissants veut dire tout simplement, tous ceux qui se sentent capables, même mes ennemis, vous êtes des puissants. Vous avez compris? Même mes adversaires, vous êtes des puissants. Parce que tous ceux qui se sentent capables, tous ceux qui peuvent, tous ceux qui se disent que oui, je suis battant, je suis battante, vous êtes des puissants. J'ai toute la Chine derrière moi. Et lorsque je parle de la Chine, je parle du monde entier. Yes. Lorsque tu es puissant, cela ne veut pas dire que forcément tu es dans ma team ou quoi que ce soit. Non. Ceux qui se sentent puissants et puissantes, vous êtes avec moi. Que tu es mon ennemi ou mes adversaires ou qui que ce soit. Si tu penses que tu es puissant, si tu penses que tu es battante, si tu penses que tu es guerrière, tu es avec Marie la Rose. C'est pourquoi je dis puissant. Ouais. La puissance extra-mondiale, c'est ceux qui se sentent puissants et puissantes. Vous avez compris? Je tiens à dire quelque chose, surtout pour ceux qui m'aiment bien, ceux qui me suivent sur la toile, ceux qui aiment vraiment bien Marie la Rose, pas ceux qui font semblant de m'aimer. Vous savez, avec mes deux vues que j'ai sur la toile, c'est la fierté d'ailleurs, parce que lorsque j'ai au moins, je peux dire, 5 vues, je peux dire qu'il y a au moins 2 personnes qui m'aiment dans ces 5 vues-là. Lorsque je suis connectée et que vous êtes plus de 100 personnes, parmi ces 100 personnes-là, je sais vraiment qu'il y a au moins 10 personnes qui m'aiment de vrai. Il y a 10 personnes qui aiment vraiment ce que je fais. Il y a 10 personnes qui aiment vraiment ce que j'envoie. Il y a 10 personnes qui aiment vraiment ce que je montre à la nation. Il y a 10 personnes qui aiment vraiment, qui sont fières vraiment de moi. Nous n'avons pas besoin de 1000 personnes ou 10 000 personnes qui te suivent au même moment. Souvent, je n'aime pas me comparer parce que si je prends par exemple l'exemple de mon émission de dimanche passé, dont j'ai 25 000 personnes vues. Lorsque je me suis réveillée ce matin ou le lendemain, ben, j'ai pas eu 25 000 dollars sur mon compte. J'ai pas eu 25 personnes lundi matin. J'ai pas eu 25 bonheurs. Vous comprenez? Ne m'appelle pas parce que là, je ne peux pas parler. Il y en a beaucoup, beaucoup des blogueurs, des blogueuses sur Facebook dont leur idée, c'est des vues. Moi, je n'ai pas des vues. OK? Et je m'en fous de ça. Avant, je peux dire, il y a une année de cela, quand je fais vidéo et qu'il y a moins de 100 personnes ou 200 ou 300 personnes, je deviens un peu pas bizarre, je ne suis pas motivée. Mais je vous jure, jusqu'à la preuve du contraire, aujourd'hui, là où moi, Marie la Rose, la puissance extra-mondiale, là où je suis aujourd'hui, hein, lorsque je fais direct et qu'il y a 10 personnes, je me dis que ces 10 personnes-là, c'est ceux qui m'aiment bien. Ces 10 personnes-là, c'est eux qui me motivent. Je n'ai pas besoin de 1000 personnes. C'est-à-dire ceux qui ont en même temps 1000 personnes, 2000 personnes, 4000 personnes, 5000, 10 000 personnes connectées au même moment. À la fin de la journée, vous avez 20 000 vues, vous avez 30 000 vues, vous avez 10 000 vues, 15 000 vues. On est dans le même bateau. Mais la question est que, d'après tous ces vues-là, ça gonfle ton compte à la banque. Ça donne quoi? Qu'est-ce que tu fais pour tes vues? Tu vends quoi? Tu montres quoi? Tu donnes quel exemple? Tu conseilles qui? Tu montres quoi? Tu valorises quoi?
Tu es qui? Tu as fait quoi? Où? Qui a vu? Bref, il y a quelque chose qui me tenait aussi à cœur que je veux parler, surtout aux puissants. Lorsque je parle de puissants, les gens disent, oh, t'es puissant à deux personnes, deux, trois personnes. Non, je cause avec deux, trois personnes, oui. Mais les puissants sont de la Chine. C'est-à-dire, les puissants, vous êtes beaucoup. Si vous m'aimez bien, retenez bien ce que je vais dire. Si vous aimez bien Marie Larose, si vous voulez vraiment bien que Marie Larose vienne faire ses directs avec les deux vues, lorsque mes adversaires, lorsque mes ennemis m'insultent, me dénigrent, n'aille pas faire les posts. Le jour où je vais voir encore un puissant ou une puissante, si quelqu'un m'insulte, tu viens faire post. Maman, moi-même, je vais te bannir sur ma page ou sur mon compte. Je vous jure sur la Sainte Bible ce matin. Lorsque quelqu'un me dénigre, lorsque quelqu'un m'insulte, lorsque quelqu'un parle mal de moi, et toi, tu te dis que tu es puissant. Mais un puissant, si tu penses que tu es puissant, reste tranquille, pieds croisés. C'est-à-dire, tu es puissant, pourquoi tu veux encore faire du bruit? Lorsque quelqu'un me dénigre, quelqu'un m'insulte, si je vois l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous faire même poste, pour insulter même mes adversaires, pour insulter même quelqu'un à qui je n'ai même pas de problème, ou pour faire allusion, maman, tu cesseras le même jour d'être puissante. C'est-à-dire, tu iras que joindre ces gens-là. Moi, je n'ai plus des ennemis sur la toile. Sur Facebook, je suis unique à mes gens. Je suis la Benjamine de ceux qui ont des vues. De ceux qui ont 10 000 vues, de ceux qui ont 100 000 vues, 100 000 là, je vois ça souvent seulement chez les bravados, la comédienne là, la comédienne ivoirienne là, et Ruby. Je suis la Benjamine. Je suis celle-là qui n'a pas de vue. Et je suis aussi celle-là que les gens ne peuvent pas oublier. Je suis Marie Larose. Et mon nom, ça pique. Lorsque certaines personnes attendent Marie Larose. Maman, ce nom-là même, tu as. C'est-à-dire, qui t'a donné ce nom-là? Simple nom, la rose. Ça pique. C'est-à-dire, ça énerve. Ça donne des ennemis. Mais moi, on ne fait rien avec ça. Si tu es puissante. Je t'interdis, right now, à l'heure où je te parle, toi qui me regardes en ce moment, si tu es avec Marie Larose, lorsque quelqu'un insulte Marie Larose, il faut sourire parce que Marie Larose n'est pas n'importe qui. Marie Larose n'est pas torchon à utiliser, à jeter. C'est moi qui jette. C'est moi qui dis non. Et quand il y a réconciliation, c'est moi encore qui demande pardon parce que j'ai la savoir de vivre. Je connais la vie. Je connais les bonnes choses de la vie. Je sais, je connais ce qui c'est que le vrai et le mal. Le bon et le mal. Lorsque tu es puissant, lorsque tu es guerrière, lorsque tu es battante, on ne fait pas du bruit. J'interdis certaines puissantes, certaines qui se disent qu'elles sont puissantes ou puissants, de faire les posts comme quoi. Je prends la défense de Marie Larose. J'ai fait tous les nyama-nyama, les mbrakata, les whatever. J'ai récolté quoi? La poisse. La poisse. Je veux moi rester tranquille. Je veux moi être la tête haute, sortir la tête haute. Je veux moi, c'est-à-dire, je veux être celle-là qu'on dit oui, mais quand même au moins elle. Je veux être celle-là. Au moins quand même elle. Je veux être la fille togolaise. Je veux être une femme battante, une femme africaine, une guerrière, une combattante. Je ne veux pas être
Celle-là, lorsque tu passes, oh, faut laisser la celle. Ce sont les filles qui clashent sur Facebook. Je ne veux pas qu'on dise que. Non, je veux maintenant qu'on dise que. Tu connais pas Marie Larose? Elle clashait avant. Mais maintenant, elle a changé, hein. Mais pourquoi est-ce que vous, les puissantes, vous ne pouvez pas m'aider? Pourquoi est-ce que vous, les puissants, vous devez répondre? Là, vous n'êtes pas puissant. Vous savez pourquoi l'Amérique est la puissance mondiale? Parce que l'Amérique ne fait pas trop du bruit. L'Amérique agit. L'Amérique agit. Lorsqu'il y a parlable, quand l'Amérique est présente. Maman, vous connaissez la suite. Pourquoi vous vous aimez faire du bruit? Je n'ai pas un conflit avec personne. Je suis unique. À mes gens, dis-toi en ce moment, toi qui me regardes, dis-toi que tu es unique à ton genre. Dis-toi que tu ne fais rien avec les mbrakata, les nyamsele, c'est-à-dire laisser les péronoques perroquets. Laissez les gens parler, laisse-les parler. Laisse-les toc-toc, ça te fait quoi? Vous pensez que quand les gens insultent, les gens me dénigrent, il y en a même qui disent que elle est divorcée. Oui, je suis divorcée. Vous voyez, je ne porte même pas bague. Je suis single. Venez me draguer. Ça fait quoi? Ça a diminué mon argent à la banque. Hein? Ou ça a fait fermer mes salons de coiffure? Hein? Ou ça a fait que je suis devenue chauve? Rien. Si tu es puissant ou tu es puissante. Ne me poussez plus. Ou ne fais plus dénigrer mon nom. Parce que je dis non. Quand on dit stop, tu dois stop. J'ai dit stop depuis décembre 2017. Je suis bien sûr revenue donner éclaircissement dans certaines choses. Ce n'était pas du clash. Mais à partir du moment où je vous parle, si tu es puissant, si tu es guerrière, si tu es combattant, mais il faut agir. Souvent, on dit que les riches ne font pas trop du bruit. C'est vrai, il y a des riches qui font du bruit, mais les vrais riches, là, restent tranquilles. Ce n'est pas nous qui n'ont rien, là. Donc, moi, je suis puissante. PEM, la puissance extra-mondiale, Marie Larose. Pourquoi je dois faire encore du bruit? C'est mon manager qui m'a donné ce nom-là. Avant, j'étais Whatever Stétoise. Mais moi, je suis toujours la PDG de Marc Larose. Mary J. Brace, ma compagnie à moi. Je suis la CEO. Pourquoi je dois faire du bruit? Vous n'avez pas confiance en vous. Pourquoi du bruit? Je ne suis en conflit avec personne. Je suis dans les bons termes. Je ne veux pas dire encore le nom ici, mais hélas pour ceux que je vais encore décevoir, je suis en bon terme. Lorsqu'on dit les TKC, lorsqu'on dit les Lulumania, je suis trop en bon terme même avec eux. Je ne suis en conflit avec personne. Je ne suis en conflit avec personne. Cette histoire de team par-ci, team par-là, on vous paye, on vous donne à manger, on paye vos bills, on paye vos maisons. Vous êtes là pourquoi? Certaines sont là juste pour dénigrer. Il y a certaines qui disent que je suis PEM, c'est-à-dire je suis puissante. Et les mêmes personnes vont avoir encore deux autres ou trois autres profils. Une seule personne est TKC, une seule personne est Lolomania, une seule personne est puissante. Vous trompez même à qui? Vous trompez vous-même. C'est-à-dire, tous ces gens-là que je viens de citer là, vous êtes puissants.
C'est-à-dire, quand tu sais comment te lever le matin, aller chercher de quoi à manger, tu es puissant. Tu es battante. Tu es guerrière. Lorsque je dis les puissants, ce n'est pas seulement ceux-là qui portent mes photos, hein. Non, vous vous mentez. C'est là, vous vous trompez. Ce n'est pas ceux-là qui portent mes photos. Il y en a même qui sont plus puissants que ceux-mêmes qui portent mes photos sur la toile. Yes. Il y a des Gabonais, il y a des Sénégalaises, il y a des Maliens, des Ivoiriens, des Américaines, des Françaises, des Chinoises même. Oui, des Burkinabés, des Togolais, des Ghanéens ou en Afrique qui sont puissants. Mais puissants cachés. Lorsqu'on est puissant, on n'a pas besoin de faire du bruit. On n'a pas besoin de faire du bruit. Quand tu es puissante, il faut faire pour que les gens voient. C'est des gens qui doivent dire que, ah, vraiment, elle est puissante. Ce n'est pas la bouche. La bouche, ben, 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 ben. Ce n'est pas. Tu es avec moi aujourd'hui. Demain, tu n'es plus avec moi, mais dans ton cœur, tu sais que tu es avec moi. Tu sais que je donne l'exemple. Tu sais que ce que Marie Larose fait sur la toile, c'est de l'exemple. Mais tu fais semblant devant les gens que, bon, cette fille-là, moi, elle ne m'intéresse pas. Hein. Je m'en fous d'elle. Alors que tu sais que je suis la numéro un. Seule chose que vous cherchez sur moi de gauche à droite, dont vous n'auriez jamais, je dis, hein, l'homme ne dit jamais, jamais. Vous n'auriez jamais ça. C'est ma nudité. Maman, c'est privé. Ce n'est pas à vendre. C'est ça qui fait ma puissance. Si vous voulez ma nudité, hein, suivez-moi à la plage, à la piscine. Yes. Mais soyons fiers. Soyons fiers. Lorsque tu dis tu es puissant, fais. Reste tranquille. Tout simplement. Restez tranquille. N'aille pas chercher problème là où il n'y en a pas. On vient chercher problème chez les puissants. Les puissants ne doivent pas aller chercher des problèmes. L'Amérique agit, c'est-à-dire l'Amérique est calme. Lorsqu'on dit c'est comme ça, tu verras qu'il y a des réservistes, il y a les armées par-ci, il y a même, ici là, je vais vous dire quelque chose. Hein? Lorsqu'on dit armée américaine, tous les armées américaines portent même treillis. Mais c'est comme chez les sœurs catholiques là. Chez les sœurs catholiques, vous verrez que tous les sœurs catholiques portent les mêmes habits. Mais chez eux là-bas, il y a des plantons, il y a des cuisinières, il y a des gens qui ménagèrent, il y a toutes sortes chez les sœurs catholiques là-bas, dedans là-bas. C'est même chose chez les armées américaines aussi. Tu les vois porter des treillis. Il y a des plantons, il y a des ménageurs, c'est-à-dire ceux qui nettoient. Ceux qui nettoient les bureaux, malgré que tu es militaire, hein, tu es dans l'armée, mais tu es là, parce que on dit quelque chose, ton niveau n'est pas trop élevé, mais tu es quand même dans l'armée américaine. Tu es planton. Tu es directeur peut-être. Tu nettoies les bureaux. Tu es cuisinier, hein. C'est toi qui prépares quand les grands maîtres la viennent là. Ah oui, dans toutes sortes de boulots sur terre, il y a ça. C'est pourquoi il y a bachelor, il y a master, et puis il y a quoi, comment on appelle ça, la doctorat, non? Il y a, chez nous, on dit il y a licence, il y a maîtrise, et puis, il y a doctorat. Tout ce
là peut travailler dans la même entreprise là, mais il y a toujours un puissant. Vous avez compris? Quelqu'un dit que tu réponds à ceux qui commentent. Si tu dis quelque chose, aussi c'est une question, je peux te répondre. Je raconte même quoi? Rien. Qui t'a invité ici? Dégage. Faut dégager. Je suis sur ma page. Même si je veux seulement, c'est quoi ça? Même si je veux seulement rester ici danser, ton problème est où? Qui t'a même invité ici? Je t'ai invité moi? Hein? Je fais quoi comme job? Ça, c'est des vraies questions comme ça. J'aime ça, Ibrahim. Mon boulot, je suis une entreprenante en business. Yeah, je suis une entreprenante. OK? J'ai des salons de coiffure. J'embauche les gens. Si tu as des gens qui sont ici aux États-Unis, qui cherchent de l'emploi, oui, j'ai un magasin de prêt-à-porter aussi. Je vends des habits, des marques, des sacs, des chaussures, un peu de tout. Mais je suis la directrice de Mary J. Brace et de Marc Larose. Ben ça, c'est très bien parlé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Faut du tout passer que ta vie est en direct. S'il te plaît, ce que tu fais, moi, je suis folle de toi. Je te suis dans ce que tu es en direct. Vous avez compris? Lorsque tu penses que tu es fort, ça évite à aller chercher palabre quelque part. C'est palabre qui vient chercher. N'aille pas provoquer des gens. Ne vous mêlez pas de ce que ne vous regardez pas. Si quelqu'un, toi, t'attaque, il faut attaquer la personne. Faut pas que quelqu'un va venir m'attaquer et puis toi, tu vas aller attaquer la personne. Laissez-les m'insulter, non? C'est comment? Vous avez vu qu'un jeu a tué qui? C'est pistolet qui tue. Vous avez vu qu'un jus, peut faire mal. Parce que sur la toile, nous les blogueuses et les blogueurs, nous avons tendance à dénigrer. C'est-à-dire, tu ne connais pas la personne. Hein? Tu ne l'as jamais vue de ta vie. Tu n'as jamais vu la personne. Mais tu vas te lever, insulter la personne jusqu'à qu'elle chie même sur elle. Parce que tu veux que les gens te voient. Et il y en a certaines... Coucou. Tout ce que certaines blogueuses disent vont penser que c'est la vérité parce que tu ne connais même pas la personne. Donc lorsque l'autre vient dépose caméra et commence à parler de la personne, il va dire ah vous avez attendu ouais paraît-il que chez lui, elle chie sur elle hein? Paraît-il qu'elle pisse sur elle hein? Paraît-il qu'elle ne gagne même pas à manger hein? Paraît-il qu'elle n'a rien hein? Tu la connais où? Tu la connais où? Tu es sa sœur. Tu connais sa maison. Tu connais son nom de famille. Tu connais comment elle fait pour vivre. Tu la connais comment? Tu l'as connue comment? Sur Facebook. Tout ce que vous voyez sur Facebook n'est pas vrai. Justine, comment tu vas, ma chérie? Tout ce qu'on, souvent, on dit sur, à part les conseils, mais je peux vous rassurer que ce qu'on appelle clash, c'est 1% souvent qui est vrai. Peut-être la personne peut dire que, oh, habit qu'elle porte là, ce n'est pas joli. Peut-être que c'est vrai que ce n'est pas joli, mais elle porte quand même. Sinon, ce qu'on appelle clash, c'est dénigrer quelqu'un. Tu ne connais pas la personne. Tu n'as pas de preuves. Tu n'as jamais vu la personne de ta vie. Tu t'assois, tu clashes. Oh, elle ne connaît même pas le papa de son père. Oh, il faut laisser. Il paraît que. Et je dis que. C'est deux mots différents. J'ai vu, j'ai confirmé. On m'a dit que. Il paraît que. C'est-à-dire que j'ai cru avoir la voir.
comme bien sûr son compte, Monsieur Montana ou je sais pas quoi. En ce moment, il y a combien de personnes qui me suivent? Moi, je considère ça même que c'est deux personnes qui me suivent. Mais je n'ai pas 2 $ sur mon compte, chérie. Quelqu'un qui a 5 000, 10 000, elle a combien sur son compte? La personne dont tu parles là. Moi, j'ai deux personnes sur mon qui me suivent en ce moment. Mais j'ai plus de 2 $ sur mon compte. Toi, tu as 5 000, 10 000 personnes qui te suivent en ce moment. Est-ce que tu as 10 000 $ sur ton compte? C'est ça! C'est-à-dire, c'est ça quoi? C'est ça! Pour les Africains, souvent ça me fait rire. Souvent je regarde certaines directs et lorsque la personne fait 5 minutes, 10 minutes, on dit, oh, déjà 10 minutes, tu as déjà 1 000 vues. Mais les vues et les gens, et CNN, les grandes télévisions vont dire quoi? On nous paye. On nous paye parce que j'ai en ce moment deux personnes qui me suivent. J'ai en ce moment 500 personnes qui me suivent. J'ai en ce moment 4 000 personnes qui me suivent. On me paye dès que direct là finit, bam. Profiteur de Facebook va m'envoyer chèque. Maman, si j'ai 3 personnes qui me voient, dès que je finis la vidéo, on va au moins m'appeler pour dire, Péril, que tu as porté aujourd'hui là. Tu as ça? Les lunettes que tu as portées aujourd'hui là, c'est à vendre? Ça qui est à côté de toi là, c'est à vendre? Oui, c'est à vendre et ce n'est pas cher. Vous les Africains, c'est-à-dire, je ne peux même pas dire que c'est moins civilisation, mais certaines Africaines, vous êtes toujours en arrière. Vous êtes toujours en arrière. Depuis, je suis sur Facebook. Si ce ne sont pas mes chintons que je vends, ce sont mes chintons qui me donnent l'argent. Je ne vous mens pas. Vous envoyez les cœurs, vous ne m'aimez pas, mais vous êtes branlés ici. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes là? You don't have to be here. Vous n'avez pas besoin d'être ici. Vous ne m'aimez pas, mais c'est très difficile de me laisser. C'est très difficile d'oublier Marie la Rose. C'est toujours mon nom. Où c'est ma face? Où c'est mes faux français que je parle? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? C'est quoi vous aimez chez moi? C'est quoi vous détestez chez moi de plus? Pourquoi est-ce que tu es là? Tu me sues parce que je clash? Tu me sues parce que vous pensez que je vais insulter quelqu'un? Tu me suis parce que tu penses que je fais des vraies choses? Tu penses que je montre quelque chose de bien à la nation? Pourquoi est-ce que tu me suis? C'est des questions qu'on devait se poser souvent. Pourquoi est-ce que je suis fan de Marie Larose? Pourquoi est-ce que cette fille me plaît? Qu'est-ce que cette fille-là en elle qui me plaît du mose? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit quoi? Elle raconte quoi? Rien de tout cela, mais quand même, tu ne m'aimes pas. Tu ne sais vraiment pas qui est Marie Larose. Facebook ne peut jamais être notre salaire. Facebook ne peut jamais être, c'est-à-dire tout ce que je peux conseiller, même vous les faux profils. Ici, les Américains aussi ont des faux profils, hein. Paraît-il que Donald Trump a gagné les élections ici aux États-Unis à cause des faux profils. Donc, en quelque sorte, on peut dire que les faux profils sont des puissants. En quelque sorte, on peut dire que les faux profils sont des puissants. Les faux profils sont des puissants, je peux confirmer. Parce que grâce aux certains faux profils qui ont été créés par l'intermédiaire de Donald Trump, dont lui-même il ignore, il a toujours nié. Grâce à ça, Donald Trump est devenu président aux États-Unis. Donc, vous aussi, vous les faux profils, vous pouvez toujours commander des mèches
des habits, des chintons et toujours avoir plus de bénéfices au lieu de se laisser, de se lever le matin et commencer à telle personne, c'est ma personne. Si tu touches à telle personne, tu auras affaire à moi. La personne te paye quoi? Le jour ton landlord, c'est-à-dire propriétaire de ta maison, va te mettre dehors. Marie Larose ne serait pas là-bas où. Lolo ne serait pas là-bas où. Compression ne serait pas là-bas où. You own your own. Ici, aux États-Unis, on dit quelque chose. You own your own. C'est-à-dire, tu es égal à toi-même. Que tu manges aujourd'hui, que tu fais quoi aujourd'hui, personne ne sait. C'est toi qui as faim. Ceux qui sont en Afrique, tu as 1000 francs pour la journée. Tu peux payer Wi-Fi 500 parce que tu veux défendre quelque chose. Des fanatiques. Comme de motels, on dit, ou bien. C'est-à-dire ceux qui sont francs jusqu'à. C'est-à-dire, même si la personne zaille, c'est-à-dire les Ivoiriens disent zaille quoi. Même si la personne déraille, c'est-à-dire si la personne même est dans faux, tu continues toujours pour dire que ouais, c'est ma personne, je l'aime. Oui, ça moi je le fais quand tu es membre de ma famille. Tu es membre de ma famille, tu es ma petite soeur même jusqu'à la gare. Je te suis, mais je vais toujours te corriger. J'ai eu à faire ça. Aujourd'hui, je ne suis plus avec ces gens-là. Parce qu'il faut savoir dire même non à vos, comment dire, à vos leaders. Moi, j'aime ça. J'aime tout de suite lorsque tu me dis que Marie Larose, arrête. Écris-moi en privé, pas ce bracata-là qui vient conseiller pour dire que c'est eux qui connaissent tellement écrit français. Non, j'aime ceux qui m'appellent. J'aime ceux qui m'écrivent. Marie Larose, ce que tu as fait hier là, ce n'est pas bien. Et si tu faisais ça comme ça? Marie Larose, il faut t'occuper de ton boulot. Marie Larose, il faut faire ceci. Il faut continuer. Il y a une dame là qui n'arrête pas de m'appeler et qu'avant je montrais comment faire des perruques et consorts. Pourquoi je ne fais pas? Je sais, j'ai mes raisons. Parce que ceux-là même à qui je suis en train de montrer ceux-là, c'est les mêmes personnes qui parlent me dénigrer. Alors que c'est les mêmes personnes qui profitent de moi. Les faux profils. Facebook, c'est pour tout le monde. De la manière aujourd'hui, j'arrive même à eu au moins 10 000 vues. Vous pouviez le faire aussi. Vous pouviez prendre quelque chose toujours et poster sur vos pages. Vous pouvez toujours faire des vidéos aussi et parler de quelque chose et vendre. Facebook est devenu page publicitaire. Je ne vous mens pas. Au moins chaque semaine, j'arrive à récolter au moins 500 dollars sur Facebook. C'est ma paye. Les gens, ça a pris beaucoup de temps à certaines personnes avant de comprendre que il faut faire quelque chose avec Facebook. Moi, j'ai compris ça tôt. Et ça a été ma chance. Ça a été vraiment ma chance. J'ai compris ça tellement très tôt. J'ai compris ça tôt que Facebook peut me donner à manger. Depuis quand je fais mes publicités, je vends mes petits chintons, je vends ma petite marque, je vends mes trucs sur Facebook. Et je vous montre aussi, il y a des stratégies qu'il faut toujours envoyer. Vous voyez les Chinois. Il y a toujours des stratégies. Lorsque vous trouvez des Chinois dans un pays, les Chinois se conseillent entre eux. Les Chinois travaillent entre eux. C'est pourquoi les Chinois... Peu après même, je vais dire que Chinois même est non bas ou non monde. Parce que c'est des gens qui connaissent comment exploiter. C'est des gens qui connaissent comment, c'est-à-dire, fabriquer quelque chose qui peut vraiment ressembler à iPhone. Mais nous, les Africains, on connaît comment dénigrer. On connaît comment saboter. On connaît comment faire ceci, faire cela. Mais pourquoi? Pourquoi nous, les Africains, on est comme ça? Surtout vous, les faux profils. C'est pas moi, les faux profils, qui me donnent des vies. Hein. Les vies de faux profils ne comptent pas. Mais un faux profil qui est conscient. Un faux profil qui sait que je peux faire quelque chose avec ma page, avec mon compte Facebook.
Je vous aime. Arrêtez de dénigrer. Je ne vous dis pas de ne pas prendre défense de vos leaders. Mais on peut prendre défense sans insulter quelqu'un, sans offenser quelqu'un. Si tu aimes bien Marie Larose, tu peux venir sur ma page ou si je suis en direct. Ah, Marie Larose, je t'aime bien, je fais ceci. Mais si je t'aime, un faux profil peut toujours écrire. Moi, ben, je lis, hein, je lis tout. Tous ceux qui m'écrivent, je lis. Si je ne te réponds pas, cela ne veut pas dire que je n'ai pas lu. Je suis Marie Larose. Je veux toujours vous parler avec mon faux français. D'ailleurs, mon français, ce n'est pas ma langue. Ma langue, c'est Minang. Dénigrez-moi, insultez-moi si je fais des fautes en Minang, en parlant Minang. Là, je connais mon tort. Vous avez des doctorats, vous avez des licences, des maîtrises, des diplômes en quoi, je ne sais pas. Mais c'est vous qui êtes toujours connecté sur Facebook. Avec votre diplôme là, vous n'avez pas de boulot. Les vraies personnes sur Facebook ne font pas ce que vous faites là. Il y en a qui font des posts. Même ceux qui sont avec moi, je suis contre. Je suis contre. Laisse-les faire. Laisse les perroquets qui dit Dieu la force, c'est plutôt toi qui. Ok, je pense qu'elle est en train de répondre à quelqu'un. Pourquoi? Vous pouvez même promouvoir les artistes de vos pays. En Afrique, il y a combien de continents, de pays en Afrique? Il y a beaucoup. Prenez vos faux profils là, partagez quelque chose, c'est-à-dire si tu viens du Togo, si Black Tea, Masfaya fait sortir quelque chose aujourd'hui, publiez ça sur vos faux profils. Les Ivoiriens, si Arafat Dem ou Arafat fait sortir, ou Serge Benoît, ou Bébé Philippe, ou... Présentez ça sur vos faux profils. Les Burkinabés, les Ghanéens, les Sénégalais, les Maliens, les ceci, cela. Les Guinéens. Vous oubliez d'où vous venez. Et c'est sur nous. Tu m'aimes, c'est bien. Moi-même, j'aime que tu m'aimes. Merci beaucoup pour ton amour. Mais est-ce que mon amour, là, ça paye ta maison? Tu es fan de moi jusqu'à... Tu veux mourir? Oui, merci beaucoup. Mais il faut balayer ta maison d'abord avant de venir vouloir balayer moi ma maison. Les faux profils, je vous parle aujourd'hui. Surtout mes puissants. Surtout les puissants, ceux qui aiment bien Marie Larose. Ne dénigrez pas. Conseillez-moi. Vous pouvez vous taquiner entre vous les faux profils. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais laissez vos leaders en dehors de tout ça, les injures, les soucis. On dit que Marie Larose a découché, oh, l'autre a fait ceci, la nudité de celui a fait ceci. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous les Africains? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous les Africains? J'ai mal. Ça me fait mal. Souvent, quand je vois certains posts, hein, il y a deux teams là que je ne peux pas dire le nom. Ce sont mes deux teams à moi-même aussi. C'est des gens que j'ai décidé d'aimer. Mais faux profil a fait que ces deux teams là en train de devenir handicapés. Pourquoi? Pourquoi? Moi, un faux profil ne peut. Ça dit faux profil a fait dans le passé, dans les années passées. Aujourd'hui, je ne suis plus amie avec certaines personnes à cause des faux profils. Oh, on a dit que, oh, elle a fait que. Et ceux, certains leaders qui ne font que écouter les faux profils, tu risques de d'aimer, c'est-à-dire de tomber dans les erreurs. Si toi-même, tu ne peux pas réfléchir, il faut prendre quelqu'un comme conseiller.
Certaines voix disent que, oh, vous dites même que vous êtes star de tout. Je suis star. Je dis je suis star parce que je suis populaire. Si j'arrive tout de suite au Sénégal, il y aura quelqu'un qui va me connaître là-bas. Qui te connaît? Parce que tu es faux profil. Personne ne te connaît. C'est toi qui tapes clavier de 31 de 1er janvier au 31 décembre. Mais nobody knows you. Tu ne veux pas être connu, mais tu es faux profil les plus connus sur la toile. Why? Tu veux qu'on dise que c'est moi-même? Je peux dire quel nom de faux profil? La Zouzi chérie. C'est toi, ton nom me vient toujours. Tu veux pas être connu, mais tu veux que ton nom Zouzi chérie là soit au-delà de tout faux profil. Hein? Hein? Solange, je ne sais même pas si toi tu as faux profil. Betty, je ne sais pas si tu as faux profil. Certains faux profils sont. Vous dites que vous êtes des faux profils. Vous ne voulez pas être star. Vous ne voulez pas être star. Mais vous voulez que vos noms soient connus partout dans le monde entier. Je suis. Moi, je supporte Marie Larose. Et puis quoi? Marie Larose paye tes factures. Mais tu veux me supporter? Il faut me supporter. N'aille pas chercher par là. Envers les autres. C'est pourquoi j'interdis même fermement ceux qui me suivent, ceux qui se disent puissantes, si je vois post, c'est-à-dire un seul post sur votre page, en train de dénigrer mes adversaires, au lieu de me conseiller, au lieu de me donner des idées, vous êtes là plutôt à. Vous prenez vos temps à suivre les autres? Non! Lorsqu'on est fan de quelqu'un, on conseille la personne. On met la personne sur le vrai chemin. C'est-à-dire, on fait de sorte que la personne dépasse les autres. Pas aller insulter les autres. Pas aller insulter les autres, mes frères et sœurs. Tu aimes bien Lolo. Conseille Lolo. Tu aimes bien Compresson. Conseille-la. Pourquoi tu laisses Compresson ou Lolo ou Marie Larose ou je ne sais même pas quel blogueur encore je vais dire et tu pars dénigrer l'autre alors que ce que Marie Larose même en train de faire en ce moment ne donne pas l'exemple. Pourquoi les faux profils changer? Surtout les puissants, parce que c'est pour vous qui me tient à cœur. Surtout les puissants, mes deux personnes qui me suivent, les deux personnes qui m'aiment. Si vous m'aimez, rentrez dans mes contacts. Vous connaissez mon numéro 001-216-566-4522. Appelez-moi, conseillez-moi. Et ne m'appelez pas pour parler de X ou Y. Je m'en fous de ceux-là. Ceux-là s'en foutent de moi. Parlons. Baptisons l'Afrique. Donnez-nous les conseils. Lorsqu'il y a un nouveau truc qui sort, un nouveau boulot, quelque chose de nouveau qui vient de sortir, partageons ça entre nous. La communication. C'est pourquoi moi, je suis sur Facebook. La communication. Vous avez attendu ce qui s'est passé au Togo ce matin. Il paraît que Faure Gnassingbé n'est plus. Oh, il paraît que Faure Gnassingbé a donné 10 000 à toute la population Togo. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on veut parler. Très bientôt, il y aura des élections. On peut parler de ça. Nous sommes des blogueurs. Personne ne peut nous empêcher. On appelle liberté d'expression. On est libre. Peut-être que toi, tu ne sais pas d'abord ce qui s'est passé ce matin. Tu peux m'appeler. Ah Marie, j'ai appris que ce matin, ceci, je vérifie d'abord parce que les fausses informations aussi, ce n'est pas bon. Je vérifie. Et que si c'est bon, on part avec. On fait avec. On publie ça. On parle de ça. Mais non, non. Il paraît que l'autre a insulté Marie Larose. Attends. Elle va me sentir. Elle insulte Marie Larose. Pourquoi? Pourquoi elle insulte Marie Larose? Marie Larose l'a fait quoi? Ça va te donner quoi? Tu risques même d'avoir palpitation de cœur. Parce que tu aimes trop Marie Larose. Tu m'aimes plus que ma maman. C'est toi qui m'aimes plus que mon fils. Ou c'est toi qui m'aimes plus que mon mari.
Non, tu m'aimes, bien sûr. Tu m'aimes parce que peut-être ce que je fais te plaît. Peut-être je donne des vrais conseils sur Facebook. Peut-être mon habillement te plaît. Peut-être mes coiffures, mes chignons, ça te plaît. On aime toujours quelqu'un à cause de quelque chose. Mais est-ce que cet amour que vous avez envers vos leaders, c'est du vrai amour? Est-ce que vous mettez vos leaders sur des vrais chemins ou vous les envoyez? Pourquoi est-ce que tu m'appelles comme ça? Dis donc. Vous avez compris? J'étais là-bas. Je ne suis plus. Ne m'envoyez plus là-bas. Je dis fermement et je répète. Les faux profils. Mes faux profils. Ma team à moi. Ceux qui aiment bien Marie Larose. Les puissants. Le jour, je vais encore voir, surtout vous les puissants, si vous postez ou vous faites des publications banales ou dénigrées dans les deux teams que je suis en train de vous parler. Je veux parler des TKC et des Lolomania. Si je vois un puissant ou une puissante faire publication ou poste sur ces teams-là, maman, tu es bannie. Tu ne seras point. Je dis bien point. J'ai parlé français. Je ne comprends pas bien français, mais j'ai parlé français. Tu ne seras point puissant. Tu iras créer puissant de ton niveau. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas beaucoup autour de moi, mais peu que j'ai, je vais les préserver à moi. Je vais les réserver. Je vais les. C'est-à-dire, je vais vous prendre comme des œufs. N'allez pas chercher par là, là où il n'y en a pas. Ne provoque personne. N'est-ce pas, vous voulez être faux profil? C'est pourquoi vous êtes caché derrière l'écran. N'est-ce pas, c'est pourquoi vous faites les vidéos derrière, dans le noir. Pourquoi vous vous publiez? Pourquoi alors? Tu veux être célèbre? Tu veux être quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Laissez-nous, dis donc. Vous les faux profils, laissez-nous. Laissez-nous. Ce n'est pas facile de se faire lyncher. N'importe qui, n'importe quoi va parler mal de toi. Ceux-mêmes qui ne gagnent même pas à manger à la maison, au lieu de venir demander Marie Larose, je veux aussi commencer mes commerces. Comment est-ce que je peux faire pour aller en Chine? Est-ce que tu as des connaissances en Chine? Est-ce que tu as ceci en Dubaï? Est-ce que comment est-ce que je peux commencer? C'est des choses comme ça qu'on devrait serait en train de partager. Pas qu'on dit que le nez de l'autre est ceci, ceci. Non, ça ne va jamais nous amener quelque part. It's not gonna go nowhere. J'encourage les battants, celui qui peut. Aujourd'hui, j'ai porté Papara, je suis fière. Parce que j'ai trouvé en lui un jeune homme très battant, courageux. Vous êtes là seulement. Vous êtes là seulement. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde même pas. Oh, il paraît que l'autre adversaire a parlé de Marie. Oh, il paraît qu'on appelle Marie Pygmée de Yoko. Et puis quoi? Je suis Pygmée, c'est toi qui payes à manger. C'est toi qui payes mes bills, mes factures. Je suis Pygmée de ceci. Je suis Madra de cela. Et puis quoi? Ça a tué quelqu'un. Ça a tué quelqu'un? Mais laisse! Normalement, au moment où ceux-là sont en train de parler de nous, sont en train de te dénigrer, toi, qu'est-ce que tu dois faire à ton tour? You have to work hard. Tu dois travailler dur. Il faut te dire que je ne veux pas ressembler à ceux-là. Je veux être born again. Je veux être une nouvelle personne. Je veux créer quelque chose de mon nom. Je veux laisser mon nom. Je veux faire quelque chose de bien. Mais pourquoi pas? Aujourd'hui, si certaines stars ou certaines blogueuses ou certaines comédiennes ont compris que non,
En faisant, en venant seulement déposer caméra, ça ne me donne rien. Non, il faut que j'ajoute ceci, j'ajoute. Mais c'est bien, encouragez-les. Encouragez-les. Laisse-toi dans le noir. Voilà quelqu'un qui vient d'écrire ça. Laisse-toi dans le noir. Tu veux être populaire. Tu veux qu'on t'appelle à Gboromoussou. Ah, ah. La numéro 1, la numéro 1 des faux profils. Mais qui te connaît où? Quand tu passes, moi et toi, on passe tout de suite. Si je vais dans le mall, il y aura quelqu'un qui va dire, hey, Marie la Rose, toi qui te connais dans le noir. Hein? Sur la rue de San Francisco, quelqu'un, c'est-à-dire, quelqu'un m'a toujours connu quelque part. Que ça soit dans les grosseries, oh, que ça soit dans les supermarchés, les malls, oh, que ça soit partout où je vais. Même à l'église, ceux qui me suivent, il y a toujours quelqu'un qui me connaît. Tu es dans le noir et c'est toi qui fais ta page. Who knows you? Nobody. Personne ne te connaît. Tu veux être connu. C'est-à-dire, il y a des faux profils, même souvent, quand elles font même des directs, là, leurs vues dépassent mes vues. Mais pourquoi tu ne peux pas profiter de ça? C'est comme ça. On profite toujours de quelque chose. Par quelqu'un, connaît quelqu'un. Normalement, vous, les faux profils, même si vous décidez de rester dans le noir, puisque vos noms sont tellement populaires, vous êtes plus populaire puisque Beyoncé, lorsque tu es dans le noir, il faut vendre les mèches, il faut vendre les perruques, il faut vendre quelque chose, il faut vendre les mèches brésiliennes. À un moment donné, tu es dans le noir, tu allumes la lumière, tu te caches et puis tu montres que, ok, les quotas, voilà, je vends ça, hein, je vends ça. Ceux qui sont intéressés là, ok, contactez-moi. Après, tu éteins la lumière, tu reviens. Au moins, ça va payer. Mais vous, ça paye quoi? Ça paye quoi? Vous pouvez me dire, ça paye quoi? Les injures? Toi, quand on a baisé ici, on a vu. Toi que ton ami c'est Dewo, toi qui as le son PC, toi ceci, tu la connais même pas. You never see this person in your life. You don't even know who the person is. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne sais même pas si c'est une fantôme, les revenants, parce qu'il y a des revenants tellement maintenant. Wesh! Vous savez avec qui vous parlez? Les faux profils. Les revenants, les mots qui sont revenus sur Facebook, la sorcellerie. Vous pouvez être dans un groupe. Vous pouvez être en train de parler même. Vous pouvez écouter même la voix de la personne. Mais tu sais c'est qui? Hey, faux profil fait peur. Non seulement vous faites peur, c'est-à-dire vous, c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si vous aimez trop votre leader, c'est ce que moi je dis souvent, montrez-vous. Montrez-vous. Faites de sorte que vos leaders vous aident aussi dans le commerce, dans quelque chose. Même si tu es directrice ou directeur au bureau. Moi, j'avais une tante. J'avais une tante à l'époque à Lomé. Elle était vraiment aisée dans son bureau, mais elle faisait toujours commerce parce que nous, les femmes togolaises, nous avons ça en nous. On a tendance à toujours vendre quelque chose, même en étant au bureau. Moi, je suis une coiffeuse. J'ai fait l'esthétique. Je suis arrivée ici aux États-Unis. J'ai vu que dans 13, qu'il y a plus d'argent. J'ai abandonné l'esthétique. Je tresse, il faut me voir tresser. Il faut me voir en train de tresser. Je vends. Dieu merci, il y a quelque chose qu'on appelle Facebook. Il y a des faux profils, je répète encore, qui a plus de 1000 vues, 500 vues lorsque vous êtes en direct. Pourquoi ne pas profiter en même temps? Mais profitez. Vous êtes les number one. Vous, certains faux profils sur Facebook, votre nom est tellement populaire. Même, je peux dire même plus que peut-être Marie Larose. Mais, dehors là-bas, sur, oh, je sais pas, sur les territoires ou bien sur où, quand je passe, on sait que c'est Marie Larose qui passe. Ceux qui me connaissent.
changeons. L'Afrique a besoin de nous tous. Les faux profils comme les vrais profils. Vous aimez vos leaders, c'est une bonne chose. Conseillez-nous. Ce direct que j'ai fait aujourd'hui, si j'ai eu à blesser quelqu'un, je m'excuse. Apprenons aussi à s'excuser auprès de vos prochains. Montrez des exemples sur la toile. J'ai ma petite soeur qui me suit toujours. Elle n'est pas de faux profil. Marielle, je ne serais pas en train de faire quelque chose de mauvais. Avant, quand j'étais dans les clashs, souvent quand je finis de clasher, ma petite soeur m'appelle. Elle dit, ah, Dagan, non. Je dis là, je suis sa grande soeur. Mais quand même, elle arrive à me dire la vérité, Marielle. Ah, grande soeur, Igbea, direct là, vraiment, je n'ai pas vraiment aimé. Hein. Faut laisser cela, non. Essaie toujours comment me parler. Elle ne vient pas dire que ah, grande soeur, toi aussi. Non. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Aujourd'hui, Dieu merci. On dit un être humain ne peut jamais dire jamais, mais quand même, pour le moment, c'est-à-dire sur quoi je compte pour le moment, je dis non à ça. Je ne reviens plus là-dessus. I was there. J'étais là-bas. Je ne veux plus repartir. Du coup, les faux profils, pardon, de grâce, ne me ramenez plus là-bas. Ne me ramenez plus là-bas. Montrez-nous. Si je suis vraiment ton leader, si tu m'aimes vraiment, non. Ce n'est pas une manière de manquer respect, mais Gaëlle Françoise, je t'aime beaucoup. Chez les autres, tu es peut-être faux profil, mais chez moi, tu n'es pas faux profil. De grâce, je t'aime beaucoup. Tu es une très belle femme. Je ne veux plus que tu postes qui que ce soit sur la toile. Apprenons à dire non à ceux qu'on aime. Si tu aimes quelqu'un et que la personne est en train de faire quelque chose de mauvais, il faut savoir dire non. Et en ce moment, Gaëlle Françoise, je t'aime tellement. Tu es l'une de mes faux profils que j'aime beaucoup. Et tu me suis il y a très longtemps. Mets un peu de l'eau dans ton verre. Il faut abandonner. Il faut laisser tout. Je ne veux plus que tu publies qui que ce soit. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est vraiment la personne que tu es en train de publier? Je ne sais pas. Mais moi, je dis non. Marie PM, comment tu vas? Et PM Marie, pardon. Je dis non. La guerre, ça ne sert jamais à rien. La paix, la victoire. Merci beaucoup. Si j'ai blessé quelqu'un ou offensé quelqu'un, veuillez me pardonner et m'excuser. Sur ce, c'était moi, Marie Larose. Je pense que j'ai assez parlé. Il y a beaucoup parlé. Et ceux qui peuvent bien enlever quelque chose ou retenir quelque chose sur mon direct d'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui c'est le 22. Vous pouviez. Mais ceux qui pensent que, oh pardon, tu racontes même quoi? Vous n'avez pas besoin de me suivre. Mais moi, je pense que c'est mieux comme ça. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'ai parlé de ça. Je n'avais jamais parlé de ça d'abord. Si tu m'aimes bien, ne pars pas dénigrer ceux qui ont pris ma défense hier. Ceux qui ont eu le temps de m'aimer hier. Ça ne va pas se passer sur ma page. C'est que vous risquez de cesser d'être mes fans. Une fan, je dis encore, est celle-là qui doit toujours te protéger, te conseiller. Comme Douala,
C'est un monsieur. Ce qu'il fait sur la toile, moi, ça me plaît trop. Il ne vient pas faire comme les autres faux profils, insulter, insulter. Il donne des conseils. La dernière fois même, il a dit quelque chose sur la France que bientôt il va montrer. C'est bien. C'est trop bien. Moi, j'aime quand on dit que fait comme tel. Vous avez vu que quelqu'un a tué? Est-ce que vous avez une fois vu quand quelqu'un peut dire que fait comme Ben Laden? Ben Laden, comme vous dites en français. Personne ne peut jamais dire que fait comme, peut-être chez les Arabes là-bas. Personne, sinon personne ne peut dire que fait comme Ben Laden. Non! On peut dire que fait comme Obama, oui. C'est un guerrier, c'est un battant. Yes. On peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire que fait comme Oprah. Elle a fait, on a vu. On peut donner des exemples, prenez des vrais exemples. Mais aujourd'hui, tu es là, tu insultes. Et ce que j'ai fait avant, là, je regrette amèrement, je vous jure. Je veux qu'on dise que c'est Marie la Rose. Tu la connais pas? Oh, c'est une entreprenante, hein? Oh, c'est une femme qui se bat beaucoup. C'est une femme d'affaires. C'est une ceci. Oui, je vais envoyer le nom de mon pays. Je veux qu'on dise que c'est cette. C'est-à-dire, je veux, moi, je serai Nana Benz, que vous vouliez ou pas. I will be. Parce que Nana Benz, c'est chez nous les Togo, la fierté des Togolais. Ce sont des Nana Benz. Oui. That's what I want to be. Et personne ne peut me bloquer. Personne ne peut bloquer, sauf l'Éternel. Mais si tu es mon faux profil, si tu m'aimes bien et tu pars dénigrer. Ça veut dire que c'est. Tu prends l'exemple de chez moi. C'est moi qui vous envoie. Alors que je ne vous ai même pas envoyé quelque part d'aller insulter qui que ce soit. Parce que souvent, c'est ce que les gens vont se dire. Les gens vont se dire ça. Je vous aime. Que l'Afrique gagne, surtout mon pays, le Togo. Je vous aime. À plus.